Salut tout le monde, j'espère que vous êtes toutes et tous bien. Et comme vous pouvez voir, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 2 avec les Rois des Tombes. Et donc on s'était laissé sur une bataille contre les Bretoniens. Donc c'est quoi déjà la faction? Je ne sais plus laquelle. Je vais faire une embuscade. J'ai raté et donc bon, j'ai quand même l'opportunité de les s'attaquer. Donc on va quand même le faire. Et on va voir si on s'en sort. Parce qu'en face, ils ont quand même des trébuchés. En plus, on est en plein désert. Ça va être magnifique. Ce qui va être chiant, ça va être ces hommes d'armes. Mais ils ont aussi des hommes d'armes avec faible commandement, les lanciers. Donc ça, ils vont vite m'abandonner. Et moi, c'est ce qui m'arrange. Ok. Oh, j'aime bien cette map. On voit les pyramides en fond. Là aussi, il y a un tombeau. Vous voyez les pyramides là. Ah, il y en a d'autres là-haut. C'est classe. Ces Bretoniens se sont paumés. On va leur apprendre. J'en ai 3, 4, 5. Ouais, ça fait beaucoup quand même. On va faire un truc comme ça. Hop. Où se trouve leur... Bon. Ah, ça fait beaucoup quand même. Je suis en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Pourquoi tu m'as mis les épéistes? Ok, on est bon, tout le monde est au milieu. Toi, on va te mettre là. Donc. Ok. On va faire ça. Eux, je vais mettre en renfort derrière. Et ces messieurs, ici. Et bien sûr, mes chiens, leur mission, ça les choper. Le trébuchet. Trébuchet qu'il y a là. Ils ont un seul trébuchet. Donc on va essayer de les choper et peut-être les chercher. Ouais, parce que là, ils vont faire mal les trébuchets. Alors, j'ai mis eux au milieu, au centre pour soutenir. Hein. Bien sûr. Parce que comme ça, c'est symétrique et j'aime bien quand c'est symétrique. Allez hop. Sur ce, on avance. Oh, c'est mignon, il recule. Bah écoutez, nous on va avancer. Bring my chariot. Onward, legions. Ils ont déjà cherché? Ouais, ils sont là, ils ont cherché. Oh yeah, braves gens. Les morts marchent. En plus, ils ont des archers longue portée, ouais, c'est ça. Aïe. Et vlang, mangez-les. Nam 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 nam. Reculez. Il y a des... Alors attendez. Vous messieurs, là-dessus. Et est-ce qu'on a des... Ils sont là. Et vas-y, rebouffe-les. Ok, go.
Non, stop. Bon, peut-être falloir avancer, messieurs, là. Parce que vous êtes gentils, mais... Et vous, vous avancez un peu comme ça. Ouais, bon, hop, on n'en parle plus des... Et mes chiens, ils reculent. Allez, là-dessus. Et on va les prendre sur le flanc. Allez, allez, allez. Voilà, parfait. Vous prenez-les dans le dos, là, ça va les calmer. Voilà, on recule. Ah, c'est les gendarmes, je vais être amusé. Va choper lui, va choper lui. Ok, et visez-moi ça maintenant. Dans le dos. Merde les chiens. Ok, on est bon. Tiens, va bouffer ça. Et va bouffer ça. Quelqu'un peut me le tuer lui. Ok, ils sont morts. I am reborn. Allez, eux ils veulent m'accueillir, on va les accueillir. Ok. Eux sont morts. Allez les chiens. Faut les bouffer là. Allez, les chiens là-dessus. Eux se font massacrer. Allez les aider, allez les aider. Allez hop. J'adore les chiens. Vous massacrez ça. Ouh, ça fait mal ça. Vous me tuez le chevalier. Les chiens. Vous me poursuivez ça. Toi tu vas me couper ça. Et toi tu vas me couper ça. Allez le chevalier à mourir. Allez tue-le. My will be done. Par contre, là-dessus, s'il vous plaît. Ah bon. Ça y est. C'est la mort. C'est lâche. On va essayer de massacrer maximum. Non les chiens, faut que vous me sautez ça. Parce que après. Tomb
Chopez-moi le petit sieur José de la dévouée. Ça c'est bon. Les chiens ont fait le boulot, c'est cool. Mon dieu. Ce carnage. Lui. Le Zeus. Allez. Non mais. Allez, 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 allez. Voilà, merci. Zalbardi maintenant. Vous me massacrez. Alors on les bouffe. Blablabla. Voilà. Et maintenant. Ouais, ils sont trois, ils vont pas revenir, c'est sûr. Et eux, bah, ils sont morts aussi. J'aime bien ça. Et bon. Victoire à la Pyrrhus. Oh, ça va. On s'en sort bien. Leur armée a été complètement ravagée. Et c'est parfait. Bon, j'ai quand même perdu des unités. Deux unités de squelettes. Trois. C'est triste. Et bah c'est parfait. Putain l'armée. Pff, ils ont tout perdu quoi. 755. Non, on va prendre les vases canop. J'aimerais bien aller défaire son armée en fait entièrement. Guerre déclarée entre... D'accord. Chevalier errant de Trigan et les Sentinelles. Les Sentinelles, c'est la pyramide de Nagash. D'accord. Je savais pas qu'il pouvait déclarer la guerre. Pourquoi pas. J'aimerais bien... Allez finir leur armée. Ah mais fuis pas. Non, 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 fuis pas. Make way. End them all. Victory. Yes. Je veux pas la faire. End their existence. C'est pas grave. Now we go. C'est pas grave, au moins son armée s'en est pas sortie. On revient là tranquillement. Et je vais refaire les troupes en 2-2. Hop. T'es monté de level toi. Alors. Je vais te mettre ceci. Ça va être plus simple. Immortality and power. Immortality. C'est quoi les objets amputés que je peux faire? Ah oui, c'était ça. Ici, c'est en train d'amputer. Ah oui, il me reste encore un tour pour ça, c'est magnifique. Et après, j'aimerais bien aller emmerder ce petit monsieur. T'as en fait ça. Ah, ils ont des murs. Chevalier du Graal, ce genre monté. Ils ont rien comme garnison. Ça va tellement parfait que j'aille assiéger ce truc là et que je les rase ou je les pille. Il faut que j'en fasse mon armée en attendant, mais pourquoi pas. Bon, après ils vont pas refaire une armée aussi vite que moi. Parce qu'il leur faut un peu de temps. Hein. Mais. Ça serait cool. Ouais, c'est en train de refaire une armée. Le temps que j'arrive là-bas, l'armée sera déjà constituée. Donc. Est-ce qu'il y a une. Non, il n'y a pas de passe là. Hein. Faut que je fasse tout le tour pour attaquer ça. L'œil de la panthée. Oh, flèche bénite, ok. Address me as your highness. On va retourner là, tranquillement. Alors.
va refaire ça. Voilà. Ici, on a eu nos émissaires de trotombe, c'est parfait. On va faire... Ordre public, ouais. Ça se pourrait être pas mal. Et après, on a quoi ici? Dévoreur d'armes, ça peut être pas mal. C'est un truc... Ok, 200 mètres. Alors, est-ce que je peux aller, genre... Ici... Et pour l'instant, je peux rien faire. Bon, on va faire un peu dans le cadre, on sait jamais. Ah oui, ils ont des canons, c'est ça qui m'aime. Ils ont des tueurs. Ouf. Après j'en ai une guerrière de base. Les abattriers qui vont être bien chiants. Cette armée va être casse-couille. Ouais, de toute façon, je ne peux qu'attendre. Et je peux me... Ah, je peux peut-être... Ah ouais, je peux me faire ça dans l'armée. Ça serait utile. Qu'est-ce que je suis en train de rechercher là? Donc je suis en train de rechercher ça, je pourrais me faire une troisième armée. Ce ne sera pas négligeable. Les nains, ils vont pas sortir de leur montagne. Pour acheter la cité, ça va être chaud. Parce qu'ils ont, ils ont déjà une grosse garnison, juste une grosse armée. Faut que je réussisse peut-être à attaquer l'œil de la panthère. Peut-être que ça les ferait sortir. Mon gros souci, c'est qu'il y a... Enfin, c'est d'avoir deux ennemis que j'ai... Ouais. Ouais, pour l'instant, je suis occupé. Qu'est-ce que je pourrais faire? On va faire... Ça en plus, plus... Ceci. D'ailleurs lui, j'ai pas regardé. Il peut faire les âmes d'Ast. Chevet du Grand. Oh, c'est la garnison, d'accord. D'accord, il peut avoir trébuchet et paysan, paysan, ouais. Bon. Do you take me for a churl? Il a une armée basique. Immortality and power. La deuxième armée va m'aider parce que je vais pouvoir... Sands of time. Faire ça déjà. Voilà, merci. Je vais pouvoir concentrer deux armées en bas, je pense. Tu peux pas me faire un truc toi, là, genre... Non, travers en constitution. Okay. Avoir une deuxième armée pour me concentrer. Là, il n'y a pas de passe parce que je passe tout le tour jusque là. C'est ça qui est emmerdant. Ou alors, on peut passer comme ça. Ouais, on peut passer aussi comme ça. Ouais, on va attendre d'avoir une troisième armée. Ici. Niveau d'ordre public, je suis pas mal. Donc on va pour l'instant... On va pas le faire, ça sert à rien. On va juste passer de tour, encore une fois. Je refasse mon armée. J'ai jamais attiré les nains dehors, mais... Est-ce qu'ils vont sortir?
Non, ils s'en foutent totalement les nains. Apparemment ils ont fait une bataille, j'ai vu il y a un truc de bataille. Est-ce qu'ils ont une armée qui vadrouille autre part? Ils ont fait la paix avec tout leur frère nain de toute façon. Allez, vas-y. Ah voilà, parfait. Obtenu. Je vais te mettre ça. Et donc. Moi je suis à 6 et 6 d'un côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je vais mettre des. Oh non. Alors on va mettre des épistes supplémentaires. Voilà. Ah, je peux améliorer ça. Donc, je préfère améliorer l'Ansiek. On va faire une nouvelle armée. The Lich King's domain. Maître intégrant. Physique. Permet une attaque empoisonnée sans jeu. On va prendre celui-là car je sais pas quoi. On va te donner des toutous. Mais pour l'instant, non, on va faire tout ça. Hop. Et hop. Je vais faire une troisième armée tranquille. Et lui, je crois... Et ok, l'armée est partie. Je crois que troisième tour, lui, je vais l'envoyer se taper les Bretoniens. Ça va les calmer. Et oui, ils bougent pas. Ah, ils ont aussi une baliste. Intéressant. Attends, tu peux pas faire un truc Non. Endommager les bâtiments 924. Ouais, je dépenserai pas mon argent pour ça. Ouais, il peut avoir des longues barbes. Ça va être chaud par contre. Arme lourde. Arma d'étrier, tueur, rangers, arme lourde. Rangers de Buckman, ouais, forcément. Ouais. Et donc ces canons, à mon avis. Oui. Il est là. Peut-être qu'il y a un bâtiment de canon là. Non, je peux pas voir ce qu'il y a. Peut-être qu'il a un truc pour les canons. Non, mais les canons, c'est le troisième bâtiment, c'est le dernier. A mon avis, c'est juste un truc de base avec lequel il est apparu. Et s'il les perd, il peut pas les refaire. Oui, alors forcément. Sans de canopes. Ça, c'est pour les chars. Ouais, là on a gagné les Nekara, mais les gagnants de Nekara j'ai pas encore. Bon, on va le faire quand même, 4 tours, c'est rien. Ce gagnant de Nekara, il me faut 3600. Ok, bon, on va économiser alors. Tellement économiser que je vais faire ça au prochain tour. Ah merde, j'ai oublié de déplacer mon armée là-haut, c'est pas grave. Ouais, je préfère améliorer mon bâtiment de guerre que d'améliorer ma ville en fait. Parce que dès que j'ai des gagnés qui a rien, ça va être un peu mieux. Parce que ça cause de nombreux dégâts. Et ça fait mal. Allez. Bon, apparemment, l'armée de Cetra ne vient plus m'emmerder. Je crois qu'ils ont compris leur leçon. D'ailleurs, t'es en guerre contre moi, justement. Ok, bon, c'est super. Toi, t'es en guerre contre, ouais. Lord of Bretonnia. Putain, j'ai du bol. Ils sont alliés, mais
C'est lui qui m'a attaqué. Et toi, t'es en guerre contre... Juste trop contre moi. Ok. Bah, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hop. Donc, là, je peux enfin améliorer ceci. On va le faire. What? Toi, tu vas commencer à monter. Land of the Dead. I am a lord of Bretonnia. Never. Ok. Encore. Black Tower. My master will return. Et du coup. Ouais, je peux pas avancer, hein. Je peux pas passer par là. C'est dommage. J'aimerais bien avancer par là en plus. C'est cette foutue montagne qui me fait chier. Bon, je vais continuer à lui piquer du pognon. Le temps que mon deuxième armée est faite, et pas faite, je veux dire, je ne peux rien faire. Parce que attaquer avec une seule armée, ça va être suicidaire. Même si l'armée de... Do not bargain with me, creature. Tu veux quoi? I shall turn your vocal cords to ash if you utter. Oui, tu parles trop. Traité de paix. Je vais le prendre. Je vais pas cracher dessus parce que je trouve ça intéressant. Je vais pouvoir me concentrer sur le Bretonnia au-dessus. Par la suite, je vais pouvoir encercler les nains. Ça va être bien ça. Les mecs m'ont déclaré la guerre et maintenant. Et, ok. Donc, je vais me retirer, histoire. Pas trop emmerdé. Déterrer la chambre, creuser ailleurs. On va vaste canop ou non, la trésorerie, c'est l'argent qu'il faut. C'est de l'argent qu'il faut pour l'instant. Alors toi, ouais, bon, ça détériore, mais t'as voulu quand même, t'as quand même demandé la paix. Donc on va monter. Ah bah voilà une deuxième armée. Qu'est-ce que tu peux faire ici toi? Tueur. Baliste. Catapulte de rancune, d'accord. Ok. Cette armée, je pense que je vais la laisser dans le sud au cas où l'autre change d'avis et décide de me déclarer la guerre. Ce qui me ferait bien chier. Et bah là du coup on va améliorer ceci. My will be done. Lui il est en train de refaire ses troupes tranquillement. You dishonor me. Address me as your highness. Your king demands. Ok, bon allez. On va se les faire. Kill them. Allez. Je vais l'attaquer parce qu'il est en train de faire des troupes, donc je vais l'attaquer tant qu'il peut pas les refaire. Et en plus il n'a pas d'archer apparemment. Bon il a des il a beaucoup de d'armes. Enfin d'hommes d'ast. Mais il n'a pas d'archer. Et ça va être cool. Je vais faire la même technique que tout à l'heure. Messieurs, vous allez mourir. Non, il faut que je le fasse en parlant, merci. Bon, on va vous mettre comme ça. Parfait. Et comme ça. Ah, c'est vrai que j'ai des piafs maintenant. C'est bien ça. Alors, je vais rapprocher un chouïa pour qu'il puisse attaquer. Là vous avez vraiment les couleurs rouges, on dirait des roses bifou. Go.
come now. Bon, ces cailloux vont me faire du mal, mais c'est pas grave. Aïe 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 aïe. Faut que je les fasse bouger. Voilà, ces catapultes ne tirent pas pendant qu'elles sont en train de bouger. C'est bien. Moi, je retire dessus, hein. C'est la question des plus dangereux pour moi. Ok. Pendant qu'ils sont en train d'avancer, vous, vous allez vous concentrer là-dessus. Vous, comme ça. Ok, comme ceci. Toi, là-dessus. T'avances. Putain, ils ont pris cher. Voilà, 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 doucement. Là, vas-y. Là, c'est le bon moment. Fonce. Allez, messieurs. Putain, mais piaf. Elle va les bouffer. Ils sont encerclés. Hein. Allez, 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 on avance, on avance, on avance. Non mais piaf, n'allez pas dessus s'il vous plaît. Il me manque ils sont où les... Allez, par là-dessus. Là-dessus. Ah bon, ils sont en train de se faire massacrer. Ils sont encerclés comme pas possible. Toi, tu aimes. Allez, 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 dans le dos. Yeah. Va les aider, toi. Il manque des chiens. Ils sont en train de morfler, ils sont là. Visez là-dessus, là-dessus. Oh punaise. Et piaf, revenez. Allez, là-dessus, s'il te plaît. Bon, tu me le tues, lui. Oh, bah tiens. Mais bon, il l'a tué. Ah non, 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 faut pas les laisser fuir les mecs. Ah bon. On les laisse pas fuir. On en tue un maximum. Que s'ils ont morflé, mais... Non, non.
J'ai peur de perdre mon, mon prince. Hein. Enfin, mon roi plutôt. Allez, tu me les bouffes. Voilà, attends, tu es maximum. On avance, voilà, 5. Tu passes à eux maintenant. Allez, bouffe-les-moi. Ouais, bon, t'arriveras pas à les attraper. C'est pareil, eux, ils sont à... C'est long, hein. Ok, là-dessus. Ah, pyramide. Sur eux, maintenant. Allez, allez, vous me les tuez, là. Les chiens. Oh oui. Bon, on les a eu. Victoire de justesse. Si on en pue un tour maximum. J'ai pas réussi à avoir la deuxième unité de trébuchet là. C'est dommage. Et il y en a deux. Putain, il y a trois unités bien full là qui ont réussi à s'enfuir quand même. Yes. Always need slaves. On va prendre les Vascalades. Bon allez, on chope. Ah, il a survécu mon prince. C'est cool. Bon, j'ai perdu 3 unités. C'est bon. Gagner un peu d'argent. 315. On va prendre les Vascalades encore. The desert gods bless me. Parfait. What? Je vais rentrer. They need to prove themselves. Commandement. On va te donner ça, conquérant. Parfait ça. Bon, je vais faire ma troisième armée full pour pouvoir défendre le palais de Calif si les nains rechangent d'avis. Je vais prendre mes deux armées et je vais monter pour aller capturer Firus. Ce qui va me permettre ensuite de... en fait, ce que je vais faire, c'est que je, quand je serai là, je vais assiéger directement... c'est Al-Ek, parce que c'est une grosse ville, donc je vais l'assiéger directement. Et je vais aller choper l'une des deux villes avec la deuxième armée. Peut-être. Attends, il manque quoi? Celle-là est là, celle-là, ouais, celle-là c'est ça. Ouais, j'irai prendre Copper, tiens. Comme ça j'aurai la région d'un seul coup. Donc en fait je vais faire tac. Et je vais envoyer mes deux armées à leur porte et d'un seul coup je vais assiéger les deux villes d'un coup. C'est quoi ce bonus? Ok. Allez, sur ce, on se cesse. Voilà. Sur ce, on se laisse là-dessus. J'espère que cet épisode vous a plu. Bien sûr, on se retrouve vendredi pour un nouvel épisode sur Total War Warhammer 2 avec les rois des tombes. Je souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine. Ciao.